Bonjour tout le monde, ça fait un bail. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur un concept un peu particulier de finale de tour, le parapluie. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Alors, après cette intro musicale, deux questions surgissent dans votre esprit fertile. La première, c'est pourquoi Brassens? Plutôt pourquoi pas en fait, parce que c'est le meilleur. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'un parapluie? Et donc on va se servir d'un exemple là, d'une partie entre Velika avec les blancs contre Polak avec les noirs. Donc un championnat national qui les a opposés. Donc ce sont deux joueurs tchèques à l'époque très prometteurs et qui sont devenus grands maîtres par la suite. Donc Polak a les noirs. Et ici il a un petit problème, c'est que donc il a un pion de plus, mais ce pion de plus il est attaqué par la tour. Et on a l'impression que le roi noir, il aimerait avancer en D3 ou en F3, mais on voudrait éviter qu'il perde le contrôle du pion. On ne sait pas si sur tour B2, roi F1, est-ce que alors le roi peut pas venir en F3, roi D3, ça gagne sûrement. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est juste on pousse le pion. Et si on échange? Donc là, il y aurait pion prend F4, roi prend F4. Et ici, si vous avez suivi toutes nos vidéos, eh bien vous allez retrouver la position de défense de Philidor. Puisque là maintenant, la tour vient en A8. Et ici, on ne peut pas empêcher la tour blanche d'asséner des échecs à répétition contre le roi. Donc par exemple, si on continue par tour B2 échec, roi E1. Et là, en fait, prochain coup, on va jouer tour F8, tour E8, tour D8, selon où se place le roi. Et le roi ne peut plus se cacher derrière son pion. Donc il peut pas se mettre devant son pion, se couvrir des échecs. Et donc là, la position est nulle. Ça embête évidemment les noirs. Et donc ils vont user de ce stratagème qu'on appelle le parapluie en jouant F4 quand même. Pion prend F4. Et maintenant, tour échec. Et la différence, c'est que là, donc le roi s'en va en F1. Comme le pion est encore en F4, mais il n'y a pas d'échec possible du côté de la tour blanche. Ici, il n'y a pas de tour A8 puisque déjà on menace mat. Donc tour A1 plutôt pour empêcher le mat. Les noirs passent de l'autre côté avec tour H2 et menacent à nouveau mat en H1. Donc roi G1, tour G2 échec. Et là, pour pas perdre tout de suite, on est obligé de jouer roi H1. Donc sur roi F1, hein, on a simplement le pion qui avance et qui fait échec, roi E1. Et là, tour G1 échec, et puis on va ramasser la tour, et on va faire dame, et ça gagne facile. Donc ici, roi H1, et maintenant, on coupe définitivement le roi blanc. Et là, le reste n'est qu'une affaire de technique, puisqu'il suffit juste d'avancer le pion, on avance le roi. Et ici, on évite tout contre-jeu possible. Parce que si on faisait dame, y a roi H4 et. Enfin, tour prend, roi H4. Et bon, la finale, il y a quand même du contre-jeu. Alors qu'ici, tour G5 d'abord, de toute façon, comme le pion, on ne peut pas l'empêcher de faire dame. Et ici, les blancs abandonnent, hein, puisque le pion est en prise. Et si on avance, il suffit juste de jouer pouf, dame. Maintenant. Et donc sur tour prend, roi prend, on ne peut pas empêcher tour F5 au prochain coup et venir manger le pion. Voilà, donc ça c'était le premier exemple pour illustrer le principe du parapluie. Je vais vous montrer trois autres exemples, dont le dernier qui est assez costaud. Donc deuxième exemple, ici on est dans une partie qui a opposé Capablanca, donc le célèbre champion du monde avec les blancs, contre Tartakover, dont on a déjà parlé également. Et donc on est au tournoi de New York en 1924, le fameux, qui est un tournoi très connu dans l'histoire des échecs. Et ici, Capablanca a quand même un problème, puisque on voit qu'on a 5 pions chacun donc des deux côtés, mais le pion C3 est en prise, et il risque d'être pris en plus sur échec. En contrepartie, la tour blanche coupe quand même le roi noir sur la 7ème, et il y a ce pion G quand même qui, c'est un pion passé, et il risque d'être assez menaçant. Et ici, Capablanca, il voit justement la possibilité de parapluie, et il joue roi G3, c'est-à-dire qu'il sacrifie délibérément le pion C3. Donc tour prend C3, hein, on va le chercher, c'est normal. Roi H4, et ici, tour F3. Et c'est là où vient l'idée du parapluie.
les blancs, donc à pas blanc K, jouent G6. Son idée, c'est que maintenant, il va pouvoir rentrer sur les cases noires jusqu'en F6 et menacer mat. Donc tour prend F4, roi G5, et ici, Tartakower se défend très bien, parce qu'il joue tour E4. Sur tour D4, qui est un peu le péché de gourmandise, on va dire, hein, c'est vraiment le coup où on bouffe tout sans trop se poser de questions, il y a roi F6, et en fait, c'est difficile d'empêcher quoi que ce soit, puisque là, donc on menace tour H8, mat, et on va menacer aussi des G7, G8. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur quelque chose comme roi G8 pour empêcher le mat, on joue tour D7, et maintenant le mat devient imparable. Et sur un truc comme roi E8, et bien là maintenant on a simplement G7 hein, qui va aussi faire dame. Donc on peut pas l'empêcher, hein, tour G4, tour H8. Voilà. Et donc ici, les noirs jouent plutôt tour E4 pour se défendre. Roi F6, bien sûr. Roi G8, on empêche le mat. Tour G7, on voit que c'est le même principe que tout à l'heure. Hein. On joue tour G7 pour lui forcer à choisir un côté. Roi H8. Et maintenant, tour prend C7. Donc on menace à nouveau mat avec tour C8. Donc là, pas trop le choix non plus. Tour E8. Et maintenant, les blancs récupèrent le matériel investi. Hein, roi F5. Et ici, on voit qu'ils ont une position qui est complètement gagnante, hein, puisque là, on a une tour qui est passive sur la 8e. On a un roi qui est dans le coin qui est coupé également. Et on voit que tous les pions sont faibles. Et ils vont tous tomber. Hein. C'est A7, D5, tous les pions sont faibles. Donc je vous montre la suite de la partie pour voir comment Capablanca a gagné. Donc tour E4, roi F6, on menace à nouveau mat. Tour échec. Maintenant, on a roi D5. Tour G4. Et là, c'est malin. Il joue G7 échec. Et les noirs ne peuvent pas prendre. Hein, puisque surprise, prise, prise. Là, la finale est assez facilement gagnante. Ici, au prochain coup, on va jouer roi C6, puis roi B7, et on va manger les pions et gagner la finale. Donc sur G7, roi G8, on prend le pion A7, on prend le pion D5, et là, il s'agirait d'abandonner quand même, parce que ça commence à faire beaucoup. Et ici, les blancs gagnent par abandon, puisque pareil, hein, on ne peut pas empêcher le pion D d'avancer, et puis le pion B est déjà perdu. Voilà, on passe à un exemple un peu plus récent, puisque là, 1924, hein, quasiment un siècle. On passe à la suite. Alors, nouvel exemple. Ici, c'est une partie qui est toute récente, puisque elle date d'octobre dernier. Et elle a opposé avec les blancs Santiago Velasco, qui est un joueur à 2300 Elo, à Rémi Doyen, dont on a déjà parlé, mon ami Rémi, qui jouait ici avec les noirs. Donc, on voit qu'il a un pion de plus. Et en fait, on va voir que son adversaire s'est trompé dans cette finale de tour. Ici, en fait, la menace à garder en tête, c'est justement une histoire de jouer G4. Et donc, le coup qu'il fallait jouer pour tenir la finale, qui est quand même. Il faut quand même la tenir, hein, elle est difficile à tenir, c'était tour G6. Ici, tour G6, on empêche définitivement des coups de G4, puisque simplement, il y aura pion prend, échec. Et on va garder la tour à distance et ça ira. Ce qui se serait passé, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la partie aussi. Tour A3, donc on menace tour prend H3 bien sûr. F3, tour H2 échec, roi G1. Et là on se dit que la finale est complètement perdante parce que le roi est coupé, les pions sont pas défendus, c'est compliqué. Mais comme la tour garde le contrôle du pion G5, mais ici, simplement sur roi prend H3, il y aurait tour prend G5. Et là, la finale serait encore nulle. On peut pas venir attaquer le pion avec la tour. Puisqu'ici, sur ça, déjà, il y aurait simplement échec. Et si on commence par H4, eh bien, on va attendre très très calmement. On va attendre avec tour G8. Et pareil, hein, sur un truc comme ça, on reviendra simplement en F2. Et ici, dès que le roi avance en H2, on jouera tour G4 qui attaque les deux pions et ça fera nul. Donc, ça, c'est ce qu'il aurait fallu jouer côté blanc pour pouvoir se défendre. Mais ici, donc l'adversaire de Rémi se trompe et joue tour F5. Alors, tour F5, on a l'impression que ça garde la même menace, puisqu'on attaque toujours le pion G5. Mais à la différence près que justement, on va pouvoir utiliser cette idée du parapluie avec tour A3 encore, F3. Tour échec,
Roi-G1. Et là, maintenant, le coup que vous avez sans doute vu, c'est G4. Et G4, ça fait mal parce que ici, sur G4, donc quelle que soit la reprise, on joue Roi-G3, donc on menace mat. Donc Roi-H1 est pas possible, hein, ça ne part pas le mat. Et sur Roi-F1, on rejoue Roi prend F3 avec à nouveau une menace de mat sur la tour qui vient en A1. Et donc là, les blancs n'ont pas trop le choix, hein, ils sont obligés de parer à nouveau la menace. Et maintenant, on prend le pion. Et là, les deux pions de plus, ça se gagne sans difficulté en finale de tour. Puisqu'on ne pourra pas vraiment empêcher le pion d'avancer, le pion G d'avancer jusqu'à dame. Voilà. Donc bravo Rémi. Et on finit par l'exercice compliqué au niveau du parapluie. On regarde ça tout de suite. Alors, dernier exercice. Donc ici, on est dans une partie qui a opposé Kirill Georgiev avec les Blancs. Donc célèbre grand maître, hein, encore actif aujourd'hui. Contre Zoltán Guillemézy au championnat d'Europe à Porto Carras en 2011. Et ici, donc c'est très haut noir, donc même principe, hein, y a un pion de plus côté noir. Et en fait, la difficulté, c'est que une des menaces, ça va être de jouer tour B4 échec, et peut-être un jour tour G4 de couper comme ça. Notamment sur Roi F4, hein, par exemple, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et donc ici, les noirs jouent directement G4. Alors G4, c'est toujours avec cette idée de jouer le fameux parapluie. Ici, l'adversaire joue tour G8. Alors pour vous donner un exemple, hein, qu'est-ce qui se passe si on veut juste chercher le pion avec tour G4? Il y aurait roi E3, simplement. Et sur H prend, eh bien on aurait échec. Roi H2 forcé, et maintenant F2, et là on ne peut pas empêcher le pion d'aller à dame, hein, puisque la case de promotion est défendue par la tour. Et donc là, les blancs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Sur tour prend G4, c'est plus ou moins le même principe. On a également tour échec, roi H2 et F2. Et là, la promotion est imparable. Donc ici, Georgiev a préféré jouer autre chose. Il a joué tour G8. Tour G8, on veut manger le pion G. Et ici, les noirs, pardon, jouent un très bon coup. Ils nous jouent roi E3. Avec une idée. Donc là, il y a deux possibilités, soit H prend, soit tour prend. Donc sur tour prend, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu juste avant. On a tour échec et maintenant F2, mais donc on ne peut pas empêcher la dame. Et sur H prend qui a été joué, et bien là, parapluie encore, roi F4. Waouh. Roi F4 menace roi G3. Donc mais plutôt embêtant quand même hein, côté blanc. Donc les blancs jouent roi F1. Roi G3 maintenant. Roi E1. Encore cette idée de jouer tour E1. Hein, donc en fait on force le roi à choisir un côté. Soit il reste dans le réseau de mat, soit il s'en va. Donc il a préféré s'en aller. Et maintenant on le coupe. Et là c'est le même principe. Hein. Il suffit juste que le roi vienne accompagner le pion. Et le pion sera inarrêtable. Il va faire dame en F1. Donc ici les blancs ont abandonné. Et ça a été la victoire de Guillemézy, assez facile finalement, alors que la finale, quand on regarde de plus près, elle a l'air quand même beaucoup plus complexe. Mais en fait, si on doit résumer cette histoire de parapluie, depuis le début, donc il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est qu'on sacrifie un pion pour se servir du pion adverse comme d'un parapluie, hein, donc le parapluie qui couvre des échecs. La deuxième, c'est qu'à un moment avec la tour, on est probablement amené quand même à poser une question au roi, et donc à lui proposer de soit rester dans le réseau de mat, comme ça a été le cas ici. Donc pour remettre la position, ici on lui pose la question, soit tu restes dans le réseau de mat en F1, et là ça va pas aller, soit tu t'éloignes, mais si tu t'éloignes, mais tu peux pas empêcher le pion de faire dame, et donc maintenant qu'on l'a coupé. On voit que notre roi est protégé par le pion adverse, et évidemment, eh bien, on va pouvoir avancer le roi et le pion de concert et gagner la partie. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce en finale de tour vous servira. J'ai publié un petit post avec un sondage sur des idées de prochaines vidéos. Donc si vous voulez voter
pour savoir ce que vous souhaitez pour la prochaine vidéo, ben n'hésitez pas à le faire. Et moi, je suis plutôt content de reprendre cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Et en espérant vous voir jouer de belles finales. À bientôt!